Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble une petite recette spéciale bébé. C'est des croquettes au poulet, même pour les grands possible. Elle est vraiment délicieuse. Pour la recette, c'est assez simple. J'ai ici environ 200 g de blanc de poulet, une cuillère à soupe de farine, une demi-cuillère à café de persil, une vache qui rit et un œuf. C'est tout. Et possible de rajouter une pincée de sel. Moi, de mon côté, ça me suffit le sel du fromage pour le bébé. Voilà. Donc, j'ai besoin d'une hachoire. Je prends le poulet. Je le mets à l'intérieur. J'ajoute la demi-cuillère à café de persil. Ça va bien aromatiser le poulet. Ça enlève l'odeur du poulet. La farine, cuillère à soupe, l'œuf, donc je casse l'œuf, voilà, et la portion de fromage. Voilà, on va mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une texture bien lisse. Voilà, donc c'est bien mixé de mon côté. Maman! Donc je veux vous montrer de près comment elle est la texture. Voilà, c'est bien correct. Elle est un petit peu liquide, pas d'inquiétude. La façon de la cuisson, ça va bien tenir. Voilà, comme ceci. Voilà, donc je la déplace dans une assiette. Et voici notre préparation. Et maintenant, passons à la cuisson. Voilà, pour la cuisson, c'est au poêle, à la poêle. Possible d'utiliser le four, mais moi je préfère cette recette. C'est assez gourmand et trop bonne pour le bébé. Je mets une noisette de beurre avec une cuillère à café de l'huile pour que ça ne brûle pas le beurre. Vous allez voir, à la cuisson, ça reste, donc ça ne va pas être absorbé par le poulet. Donc, je vais mettre partout. Ensuite, je prends la cuillère à café. Donc, la quantité de ma croquette, c'est environ une cuillère à café. Donc, je la mets ici, je l'aplatis un petit peu. Voilà. Alors, je fais comme ça partout. Et je passe à une cuisson environ 2 minutes sur chaque côté. Juste une remarque, il est possible de congeler la préparation soit cuite, soit juste comme ça. Donc vous mettez comme ça des petites sur des boules de glace par exemple et tout, les cubes. Vous congelez des quantités et après vous réutilisez facilement, c'est très pratique. Moi, de mon côté, je vous cache pas, on mange carrément avec le bébé, tellement c'est délicieux. Donc, on partage son repas. Voilà, comme ceci. Donc, ça colle pas. Encore. Voilà, quand je vois que les bordures sont bien dorées, là, je vais la tourner. Voilà, celle-là, je vais la tourner, elle est bien dorée, comme vous voyez. Celle-là aussi, hop. Voilà. Voilà, et après la cuisson, je la mets sur un papier absorbant. Pour que ça absorbe tout le gras collé. Voilà. On va regarder s'il y en a d'autres qui sont cuits. Pour les autres, encore un petit peu. Et voici, mes croquettes maintenant sont bien cuites. J'ai réalisé 10 portions avec cette quantité de poulet. Maintenant, je vais vous montrer le repas de mon bébé. Et voilà ce que j'ai prévu comme repas pour le bébé. Du riz cassé blanc au beurre avec 3 croquettes de poulet et un yaourt nature.
Voilà, j'espère, normalement c'est un repas complet pour lui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres nouvelles vidéos. Voilà, je vais vous montrer à l'intérieur quand même la croquette, comment elle est. Comme vous voyez, elle est vraiment tendre. Et voilà, ça se mange très facilement par le bébé. Tellement c'est vraiment tendre, c'est pas dur par rapport à un poulet normal parce que c'est bien mixé. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, à très vite pour une nouvelle mise en ligne.